ville de Saint-Paul s'inscrit dans cette action dans le cadre d'une prévention des accidents de noyade. C'est une action qui émane au projet éducatif de la ville. En premier lieu, en proposant de sécuriser et de surveiller les zones de baignade, elle propose aussi l'accompagnement et l'animation des séances de découverte de natation. Et pour terminer, elle propose notamment la prise en charge des transports des nombreuses classes via le lagon. D'apprendre à nager dans le lagon, ce qui se faisait déjà à la Saline, mais sans l'intervention de maîtres nageurs, en tout cas en pédagogie, parce qu'à la Saline, il y a une surveillance de la zone dans le lagon, mais pas d'intervention pédagogique. Ici, on a voulu vraiment proposer un accompagnement aux enseignants. Il y a pas mal de matériel qui a été acheté, dont notamment des petits bodyboards et des masques. Eh bien, la séance s'est super bien déroulée, on avait un grand soleil. La mer était un peu agitée, mais ça c'est plutôt plaisant pour les enfants, si ça leur permet de s'amuser dans les vagues. On a aussi travaillé sur certains ateliers sur la protection de l'environnement. Donc, des ateliers sur des ramassages de déchets, aussi de la découverte de tout ce qu'on peut trouver dans l'océan, dans le lagon. Donc, ça, c'était hyper intéressant avec l'aide des maîtres nageurs.